Ça va être dur de réaliser, je pense que ça va prendre du temps. Paul Bideau peine encore à y croire. Il a remporté le gros lot classique de 5 millions de dollars au tirage du loto 649 le 20 juillet dernier. Ça me permet de tous les buts que je m'étais mis dans la vie, de les atteindre tout de suite. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est l'inconnu. Ça me donne beaucoup de temps. L'homme de la Montérégie a appris la nouvelle alors qu'il dormait. Il ne réalisait donc pas ce qui lui arrivait. Il l'a seulement annoncé le lendemain à sa conjointe. J'ai reçu le message, puis bon, j'ai vu que ce n'était pas les mots d'habitude que vous n'avez pas gagné. Je me suis dit, il y a un problème. Ça m'a trotté dans la tête un peu toute la journée. Puis le lendemain, j'ai appelé l'Auto-Québec pour confirmer. Puis en fait, c'était vrai. Bon, j'y crois encore pas, là, mais juste après, j'ai parlé à ma femme. Bon, évidemment, on peut faire plusieurs choses avec 5 millions de dollars. Et justement, M. Bideau a plusieurs projets en tête pour les prochaines années pour en profiter, dont devancer sa retraite et voyager. J'ai planifié ma retraite, puis je vais faire des réparations dans ma maison, avoir une meilleure balance professionnelle puis de vie, là, puis de m'occuper plus de mes enfants, puis tout ça. J'ai déjà voyagé un peu partout, là, mais ça me permettra de voyager un peu plus longtemps. Difficile d'avoir un meilleur cadeau pour l'homme qui aura 40 ans cette année. Amanda Moisan pour l'agence QMI, Montréal.